Orange. Ah bien, te revoilà. Et alors, Boccaggio, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est un faible, il a décidé de se peindre en vert. De se teindre, tu veux dire? Oui, oh, c'est pareil. Bah, écoute, chacun doit faire ses expériences. Tu ne devrais pas juger. Oh, c'est vrai, tu as peut-être raison, mais bon. Bon, alors, on va où? Bah, écoute, si tu veux, nous allons te présenter à Bourcassex. Bourca quoi? Tu vois, je te l'avais dit. Love, Bourcassex. Love. Ah, ça alors? Mais vous avez un grand trou au milieu. Oui, Bourca Orange. C'est parce que le sexe est un grand trou dans le réel. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Bourca Sexe? C'est pas plutôt le sexe qui serait la seule chose réelle? Ne m'embrouille pas, Bourca Arc-en-Ciel. J'essaie d'initier Bourca Orange. Ah là là, et tout ce parfum sans fort. Oui, c'est pour réveiller ta nature, Bourca Orange, tes instincts, ta part animale. Dis, Bourca Sexe, t'es pas un peu caricatural, là? Bon, écoute, Bourca Arc-en-Ciel, m'embrouille pas. Hein. Il est possible que j'ai perdu un peu la forme. Les ados, aujourd'hui, sont tellement préformatés que... Dis, Bourca Sexe. Oui, Bourca Orange. Si tu nous racontais ton histoire. Quoi? Mon histoire? Ben ouais, ton histoire. Ben là, hein, je ne sais pas. Mon histoire, ben j'ai dû l'oublier. Ben c'est triste. Tu trouves que c'est triste, Bourca Orange, d'avoir perdu son histoire? Ben oui, je crois. Bon. Ben écoute, je vais réfléchir. Mais Bourca Sexe, hein? Oui, quoi, Bourca Arc-en-Ciel? Ben, n'est-ce pas contraire à ta condition? Ou quoi donc? Bah l'histoire, la réflexion. Je crois que tu te trompes, Bourca Arc-en-Ciel. Bourca Orange me rappelle mes anciennes manières, ma possible façon, une sorte de tradition. Bah alors là, j'y comprends rien. Ah bon, Bourca Violette? Parce que tu croyais y comprendre quelque chose vraiment?